Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer. Et donc j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Donc on s'était laissé sur une bataille contre les forces, la tribu des premiers hordes et contre Mordin Buklorkson, donc ma deuxième armée. Pour souvenir, je me suis... j'ai rentré dans ma... Comment dire, dans ma confédération Baragvar, ça m'a foutu un peu dans la merde puisque niveau thune je suis dans le rouge. Bon, c'était à tenter. On va, bon, je suis pas, je pense que bon, je suis pas si enfin, je veux dire, on va s'en sortir. Donc j'ai quand même mes armées qui sont assez entamées, mais les leurs aussi, hein, pour souvenir, ils m'avaient attaqué et j'aurais foutu une peignée. Et là on va essayer de leur faire un peu plus mal que ça. Va falloir vraiment que je redresse mon économie, mais je pense que l'autre armée de... Ouais, je vais la dissoudre. Va falloir que je la dissoude, la troisième armée que j'ai, celle de Baragvar. Pour l'instant, je ne peux avoir que deux armées. Et là, je fais face aux wargs qui viennent du sud, donc j'ai déjà annihilé une armée entière, une warg entière. Il y a celle de Gringor Boîte en Fer qui va se ramener, qui est assez dangereuse, donc mon roi va s'en occuper. Et il y a eux aussi qui sont dans le coin, cette armée-là. On va essayer. J'ai quand même pas mal de mineurs, donc je vais peut-être essayer de les encercler. Parce qu'eux, ils ont beaucoup d'archers, et j'ai encore cette... C'est encore cette... colline. C'est super chiant, ça. J'aimerais bien faire un truc. C'est de les mettre... Alors. Non, attendez. Avant de faire ça... Voilà. J'ai envie d'élargir... Ok. Il y a mon chef qui est là. J'ai pas beaucoup d'arbalétriers, c'est le gros problème. Par contre, j'ai pas mal de mineurs. J'ai un mec qui protège mes flancs. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est laisser les orques se ramener sur moi. Les laisser se ramener sur moi et de les avoir, je sais pas, autrement. Peut-être que je vais mettre en haut. Oh, je vais peut-être reculer un maximum en fait, c'est ça que je vais faire. Ou je vais les laisser venir. Ouais, je vais rester ici, je vais les laisser venir. Je vais me planquer. Voilà. Et on va les laisser venir. Ces petits... Cette petite peau verte. Ils ont l'air pas contents. Ouh, vous êtes beaux. Hop. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils viennent ou pas? D'accord, on reste sur son opposition, c'est ça? Le problème, c'est que ces autres armées, je sais pas où elles sont. J'ai l'impression qu'ils m'attendent en fait. Allez, venez. D'habitude, c'est vous qui attaquez. N'ayez pas peur. Dwarf
Bon, on va faire un truc. Le problème, c'est que... Il y a cette colline au milieu là qui est chiante. Ok, on va déplacer nos armées. Ils ont quoi? C'est quoi le petit truc Ah bah je suis con, c'est marqué là. Ok. On y va en courant, c'est ou pas, messieurs? Je sais pas s'ils sont planqués. Ouais. Si, si, ils sont dissimulés. Ils sont dissimulés, c'est bien ça. Ils sont dissimulés aussi. Aha! Les voilà. Là, ils sont plus trop dissimulés. Qu'est-ce qu'ils attendent, les salauds, là? On va faire ça. J'adore entendre les bruits de pas quand ils marchent. Ouais. On va aller les asticoter un peu. C'est leurs sangliers qui me font peur et leurs archers. Ah, ça y est, ils se déplacent. Ils se déplacent. C'est quoi leur... Oh, tous les archers qu'ils ont, quoi. My goodness. Alors désolé, je veux pas foncer dans le tas, le truc c'est qu'il faut que je perde le moins d'unités possible. Parce qu'il y a quand même une armée derrière eux après. J'ai plutôt envie de les emmener vers moi plutôt que d'aller à leur contact. Parce que le temps que j'aille à leur contact, leurs archers vont me faire très mal. Qu'est-ce qui branle? C'est eux là que j'aimerais bien avoir là. Find your targets. On the way. Got. Et après ils vont repartir en... S'ils me chargent, ils vont repartir directement derrière. Merde, 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 mauvais plan, mauvais plan. Stop, stop. They have wronged us. Minus. J'avais pas prévu qu'il y avait eux là. Bon. C'est la première fois que je vois des orcs qui cherchent pas. Y'a eu, hein. Les mecs... Ils sont plus dissimulés, c'est super. Strike
Ils vont venir vers mes... Ils sont plus dissimulés, Strift. Vous êtes censé être planqué derrière ça, là. On va se tourner autour. Hein. Ok, bon. Rage far, rage fast, miners. Charge, killers. Moving out. They're moving. Ça a duré 30 ans, hein, je vous le dis. Hein. Ils sont où ces... Ces... Normalement je tire plus loin qu'eux. Si je peux au moins avoir ces unités... C'est mal, hein. On recule, on recule, on recule. Parce que là, ils ont beaucoup d'archers. Aïe, 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 reculez vite. Cours! Qu'est-ce que tu branles là? Cours, cours, cours! Putain! Allez! J'arrive pas à les choisir. Qu'est-ce qu'il branle? Kazook, yes! Kill Urks! Vengeance! For the Kalis Ankor! Ok, ils sont encerclés. We will have vengeance! J'arrive!
Ok. Chaud. Oh, comment ça me fait chier, c'est sanglier là. Oh, comment ça mes guerriers fuient? Qui c'est qui fuit? Oh merde, c'est la misère. Ready? Tuez-moi ce général, tuez-moi ce général. Allez, 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 faut pas qu'il fuit là. Faut le tuer là. Il est mort. Mais bon, ça commence à être la débandade pour eux là. C'est leur chargé qui me font mal. Aïe 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 aïe. Non, les archers, s'il vous plaît. Mais tirez-moi là-dessus, là. Qu'est-ce que vous foutez? Merde. C'est bon, ça recule. Ok. Ouh putain, les pertes que je vais avoir, my god. Ils font mal, hein. En même temps, leurs armées sont très expérimentées. Oh là là, il nous manque de cavalerie, c'est ça le problème. Ok. Non, 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 parce que mes hommes, son unité sont en train de mourir une par une et c'est la misère. Je vais prendre Nai. On voulait tuer, hein. C'est le gros problème, ça, je vais devoir les poursuivre. Oh là là là. Bordel, je vous dis.
vengeance. Et mes arbitriers sont bloqués contre ça. Mais ils cuit tous là, vous allez m'étonner, on gagne tout ce qui reste comme... Oh, là, je peux rien faire. Parce que même quand ils sont au corps à corps... Fais chier. Et ces mecs qui reviennent. J'ai plus de munitions, c'est super. J'ai plus d'armée. Je n'ai plus d'armée. Oh le bordel, je vous dis pas. Oh mon dieu. T'as même pire, c'est eux, ils sont en déroute et ils me tirent dessus. Non mais oh. Ouh, il morfle, hein. Vache. Yaha. Ah bah j'ai plus d'armée. Je n'ai plus d'armée. Ouf. Allez, venez, venez au corps à corps, on va se marrer. Il en tue combien par coup? Oh, il en tue 3-4. Hein. Heureusement que... Mon dieu, il est encerclé. Oui, ça c'est bon ça. Résiste. Oh mon dieu, il va mourir. Il va mourir ce con. Oh merde. C'est la misère. Moi je vous dis, c'est la misère. Ok, il fuit. Là, c'est la baston. Eh mais ils sont forts, hein, les... Putain la vache.
Merde. Non, il va mourir. Ah non, pitié. Pourquoi il meurt pas? Il bouge, qu'est-ce que tu fous? Oh mon dieu, mon armée s'est fait exterminer quoi. Il reste encore tout ça qui arrive. Ok, il fuit. Il fuit. Faut qu'on tue ces mecs là. Oh. J'en ai plus beaucoup de carreaux, c'est super. Merde. Ah nom de Dieu. Non mais ils reviennent à chaque fois là, faut qu'ils arrêtent là. Oh, c'est pas possible ça. Le bon chat qui veut sortir, bah il attendra. Tant pis. Jusqu'au dernier. Ah non, il va mourir dans le dos. Il va mourir. Aïe 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 aïe. Allez, 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 messieurs, dames. Il reste quoi? Il reste quoi? Pff, tendu. Mais ils fuient tous là, on a gagné. C'est bon. Des routes. Kazook. Mon dieu. Oh la vache. Oh, tout ce que j'ai perdu quoi. Oh, mes unités sont encore là. Oh, je sais, j'ai reçu, on subit. J'ai perdu 842 hommes et il en a perdu 568. Aïe aïe aïe, ça a été dur. Oh, le problème c'est qu'ils ont trop d'archers. Oh mon dieu. Je pensais pas y arriver. Hein. Et je pensais perdre mon héros en plus. C'est lui qu'on a tué le plus. Eh bah allez on. Ah la bataille a duré 30 minutes. Hein. Ça c'est les batailles qui m'énervent, faut aller courir après les chercher. Alors forcément, on n'a pas de cavalerie, c'est chiant. Vivement que j'ai les gyrocoptères, moi je vous le dis. Mais bon, il fallait que j'en passe par là. Hein. Alors on va vite rentrer. 58. Ok. Alors attendez, faut que j'ouvre la porte à mon chat, parce que sinon il va voler. Casser les noix pendant longtemps. Voilà. Hop, on se réinstalle.
Hop, c'est bon. Alors... Ah, c'est con parce qu'il reste ça, j'aurais pu les exterminer là. Bon moi aussi, on peut m'exterminer mais... J'ai gagné quoi? Capacité passive, l'étendard des derniers bastions. Cet étendard fut créé par le seigneur des runes venant des derniers bastions. À se battre sous ses couleurs, ramine la fureur de toutes ces... Ok. Ça fait plus 6 de dégâts des armes. On se casse. Bon, je pense pas qu'il va me rattaquer d'ici tôt. En plus, c'est juste des archers qu'il a. Alors par contre, lui, il risque de m'attaquer et ça, ça va être problématique. Ça va être problématique. Je suis à moins 406. Ah, j'ai perdu tellement d'hommes que je suis à moins 406. Bon. Tant mieux. Non, mais ça, c'est deux tours. One rug. As the High King commands. I refuse. Let us begin. Limite, eux, j'aimerais bien peut-être les sacrifier. We march. Yes. Voilà. Tant pis, si je les sacrifie, ils se battront pour la bonne cause. Donc là, on a un seigneur légendaire qui est là. Eux, ils sont totalement refaits, je pense. Pas encore. Ouh, je peux vous dire que ça a été chaud. Alors, d'un côté, alors j'ai fait ça. Le problème, c'est que je ne peux pas faire ces mecs sans armurerie. Et l'armurerie, c'est assez problématique. Je sais même plus ça. L'armurerie, c'est ce truc-là. C'est ça? Non, c'est quoi une armurerie? C'est quoi une armurerie? Non. Ok, je ne sais pas trop. Atelier tueur. Armurerie. Ah d'accord, c'est ça l'armurerie. Donc si je n'ai pas d'armurerie, je ne peux pas recruter. Ah d'accord, faut faire ces deux bâtiments. Ouais, d'accord. Donc je pense qu'au final, je vais plutôt démolir ce truc. Parce que ça ne sert à rien pour l'instant. J'aimerais bien améliorer ça, mais ça me coûte 1600, 3 tours. Ok. Ah, mais ça va me permettre de recruter des guerriers nains en plus. Et ça, c'est bien. Doscaraz, ouais, c'est ça. Ça, c'est 2 tours. Et ça... On va plutôt faire ça. J'ai besoin énormément Et là, il faut que je fasse absolument... Je vais garder un peu d'argent en réserve. Je vais... qu'est-ce que j'ai en diplomatie? Je peux rien faire avec les principautés frontalières. Greetings. We may not be the empire, but our realm has riches and strength. Ils veulent pas. Hein. Le Hochland, l'empire. Je peux peut-être faire du commerce avec eux. Ils ont rien pour. Ouais. Ça va être bon. Ok.
My throng stands ready. Karak Irn. On s'entend super. Oh la vache. Oh, par contre, équilibre des forces. On the Earthstone. Ok, alors. Karak Kadrin qui sont là. Ils ont toutes les montagnes du bord du monde du Nord. Zubar, bah, c'est moi maintenant. C'est marrant qu'il m'ait appelé Zufbar. Ah bah non, je suis con. Non, Zufbar, non, je suis nain. Je t'ai donné un truc, toi, c'est quoi? Ça y allait attaquer ça. Non, je serais plutôt d'avis que t'ailles attaquer ça. Moi, ce que j'ai peur, c'est que cette armée vienne m'attaquer là. Ça... Si je perds cette armée, ça va être chaud. Bon. Je suis obligé de prendre. On est obligé de passer de toute façon. C'est pour ça que j'ai mis mon armée à côté là. C'est comme ça si. Ouais. Parce que j'avais peur. Rune de barrière. Bannière. Attends, c'est quoi ça? Alors, soit je me replie pour qu'il me suive jusqu'à là-haut, soit je fais un repli stratégique, soit je me combat. Faut qu'il perde un maximum d'unités. Je pense que je fais un repli stratégique plutôt, parce que genre que sauvage là, ils sont mastoc les trucs. Ils ont pas d'armure, mais par contre, mais ils spamment les archers. On va faire un repli stratégique, il va me suivre. Ok. Bon, bah on va faire la bataille. Hein. Même si je vais perdre. Je crois que... Mais j'avais pas fait embuscade. Je comprends pas ce truc de embuscade. Normalement, embuscade, il m'aurait... J'aurais fait l'embuscade et au moins j'aurais pu attaquer en surprise, mais je pense qu'il m'a vu en fait le mec. Je comprends pas en fait. Ou alors ça marche que sur mon territoire et pas sur le sien. Je trouve un peu con parce que l'embuscade, bon, ça marche sur tous les territoires. Je pense que c'est ça en fait. Mais sur les anciens Total War, les embuscades, ça marchait sur partout. Ah merde, j'aurais dû rester là où j'étais. C'est tout que ça, c'est Birnod Gundan. Ouais, c'est le roi des nains. Enfin, de Barakvar. Bon, d'un côté, je dois dissoudre une armée. Purée un doigt. Bon, on résiste bien pour l'instant, même si c'est tendu. Même si c'est tendu. Ah ouais, carrément, là, c'est une belle plaine. Je peux rien faire pour me cacher quoi. Vache. J'ai même pas d'arbalétrier et ça va être problématique. Moi je les attends de pied ferme. Qu'ils ont. Mais nous n'avons pas peur. Voilà. Il avance fièrement.
vengeance. Nothing can stop us. Fight, Kazook. Let the vengeance begin. Le mec, il a divisé ses armées en deux forces, quoi. Lol. Miners, move to attack. Let the vengeance begin. Pump those dwarf arrows. Qu'est-ce que tu fous? Je t'ai demandé de bouger. Bouge. Bon, c'est le suicide, hein, je sais, mais c'est pas grave. Oh mon dieu, il cherche mon dans mes arrières. Oh là là, les archers quoi. Vous êtes déjà en déroute les mecs là? Tiens les gobes. Oh, il est clairement plus fort que moi le... Ah il est largement plus fort que moi le mec là. Bon. Voilà une défaite sanglante. Ah c'est merde, j'ai vraiment merdé, je voulais faire une embuscade et j'ai merdé. Oh, ils sont tous disparus, voilà. Fini. Bon. Je l'avais fait perdre 149 seuls. Ouais, super. Ils vont aller prendre la cité là-haut, bon bah tant pis, hein, je... Le temps que je me refasse. Bon d'un côté je préfère qu'il me tue cette armée, ça m'a... comme ça j'aurai moins de... pertes, enfin d'argent à dépenser, mais comme ça l'autre armée là-haut aura le temps de se refaire. Et je pense que cette armée là je vais la replier sur Caracacaraz. Ils vont faire tout le tour, tant pis si je perds la petite cité qui est en haut. Elle est trop isolée pour que je puisse la défendre. Sans déconner. Bon, bah... Une force s'est fait repérer. Ouais, d'accord. Ouais, on a perdu une étendard en âge de liche. On va aller les massacrer. Ouais, ok, on a une rancune éternelle contre eux. Surplus de recrues. Ah, ça c'est bien ça. Ah oui, j'étais en embuscade, j'ai perdu toute mon armée, c'est vrai. Ah bah c'est triste. Bon, maintenant je suis retourné dans le... Au moins je suis retourné dans le vert. Et ils vont s'emparer de ça. Ce qui me fait peur, c'est que là j'ai pas d'armée. Tu vas tracer toi. Non. J'ai besoin que tu montes là-haut. Il va bouger jusqu'à là, il va se constituer une deuxième armée, une troisième armée. Oula.
Ils en sont combien? It is time. Ok. Ok, ici on va faire. Non. Ah, je peux faire une mine de scie. Ah, ça c'est bon ça. On va faire ça. On va faire une mine ici. Toi t'es à fond. Qu'est-ce qu'il fout lui? Ok, ils sont en train de se reconstituer tranquillement. Eux aussi. Alors on va faire quoi ici? Moi ce qu'il me faut c'est les arbalétries à mort. Oh t'as tout l'argent que j'ai? Waouh! Voilà. Ici, ah oui, ici je voulais faire ça. Non, dégage. Il faut que je fasse ça. Voilà. Le mont de la charge sanglante, ici, je vais l'améliorer à 3, puisqu'il y a des... Il y a une armée qui me menace. Donc tant pis. Voilà. Et voilà, donc, bah, comme d'habitude, hein, vous demandez, mais où est Legnar? Legnar, vous parlez cette fois-ci de Barakvar, donc la cité portuaire des nains. Et vous allez voir qu'il y a une histoire assez cool. A tout de suite. Salut les grandes jambes, je vais vous parler un peu de notre cité marine, Barakvar. Barakvar signifie porte de la mer, en Khazalide. Cette cité est unique dans la mesure où elle est la seule citadelle côtière des nains. De toutes nos villes, c'est la plus cosmopolite et la plus ouverte sur l'extérieur. Des marchands de tous les royaumes importent du fret d'aussi loin que Cathay ou d'Arabie. Elle profite d'une situation stratégique à la croisée des routes terrestres entre le Vieux Monde et les terres arabiques du Sud, et d'un accès facile à la Grande Mer. C'est un comptoir de commerce et une forteresse imprenable. Son implantation est déroutante pour l'observateur non averti, car elle est littéralement excavée dans les flancs d'une falaise gigantesque qui s'ouvre sur la naissance du Golfe Noir, près du point de confluence des trois grands cours d'eau de la région. Le fleuve du sang, la rivière Hurlante et la rivière du Crâne. L'érosion a évidé au fil des siècles la falaise de pierre blanche et a creusé un réseau d'immenses cavernes autour d'un port en eau profonde. Cette cité est équipée de systèmes très sophistiqués d'éclairage. C'est assuré par un système ingénieux d'ouverture dérobée de réflecteurs en métal poli et de gigantesques lampes à huile. Située au fond d'un golfe s'ouvrant sur la grande mer occidentale, elle subit de très importantes marées. 4 fois par an, les conjonctions entre les lunes et le soleil provoquent les grandes eaux qui ne sont dépassées en ampleur que par la morte eau, qui correspond à la rare conjonction entre les deux lunes et le soleil. C'est là qu'est abritée la flotte naine. On n'aime pas beaucoup la mer, et vous le remarquerez dans la conception de nos navires. Ils sont en métal et ressemblent à des forteresses, contrairement à ceux des elfes ou des humains. Ils sont propulsés par des roues à aubes, mu par un système de machines à vapeur. C'est mieux que de dépendre du vent. Allez, c'est tout pour le moment. Il faut que j'aille faire un tour dans les mines. Mais si vous passez par les principautés frontalières, faites un tour à Barakvar. Et vous verrez les splendeurs de cette cité. Donc voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu. On va bientôt se quitter là, puisque bon, j'en suis bientôt à 50 minutes. Et ça a fait un épisode très très long. Mais bon, vu que ça fait quelques jours que j'ai pas eu d'épisode, au moins je vous rattrape. Et je crois que de toute façon j'ai tout fait, j'ai plus d'argent. Je suis en train d'améliorer tout ce que je peux. Et là, voilà, c'était quoi? Maître des runes. Ok. Donc normalement, eux sont en train de se refaire. Oh, je pourrais même aller les exterminer quoi. On va attendre un peu. C'est cette armée là qui est dangereuse. Très dangereuse, et c'est cette armée là. Ce que je vais faire, c'est quand cette armée sera totalement refaite, je vais sortir, je vais mettre en embuscade dans le territoire. Et à mon avis, lui, quand il verra qu'il n'y a personne, il va vouloir foncer pour m'attaquer. Et je vais exterminer Gringor Boîte en Fer. Et on n'en parlera plus. Donc voilà, on va se laisser là, j'espère que cet épisode vous a plu. Mon économie est revenue, j'ai eu une défaite d'une armée, bon, bah, c'était prévisible.
Mais au moins, ça a permis à mon économie de revenir dans le... du bon côté de la force. Allez, on se laisse là et on se retrouve très très vite pour de nouveaux épisodes sur Total War Warhammer. Donc comme je vous l'ai dit, cette semaine j'ai beaucoup beaucoup de boulot, donc je suis pas sûr de pouvoir vous en faire autant que la que les semaines passées, mais j'essaierai de me débrouiller. Allez, on se retrouve très très vite. Ciao tout le monde.